bin ein Pianino. Bonsoir à tous et bienvenue dans Retour aux sources. Elle est sans pitié, secrète, diablement organisée, violente, mais reconnaissons-le aussi, fascinante. La mafia sicilienne est au cœur du documentaire que nous vous proposons ce soir. Dans les décennies de l'après-guerre, la mafia gangrène Palerme, le chef-lieu de la Sicile. De magouilles immobilières en trafic de drogue, de connivence en corruption, le tout sous la loi du silence, la fameuse Omerta. Nous allons partir pour le petit village de Corleone, berceau des parrains les plus redoutables. Le décor pittoresque, montagneux, inspire Coppola pour son mythique parrain, mais la réalité dépasse largement la fiction. De la fin des années 70 au début des années 90, Totò Riina, parrain des parrains et surtout véritable boucher, plonge Palerme dans un bain de sang. Les victimes se comptent par milliers. Parmi elles, le célèbre juge Falcone. Quelles sont les séquelles des heures sombres de la Cosa Nostra? Cette mafia sicilienne a-t-elle contaminé la Belgique? Ce sont les questions que nous poserons juste après le film au juge Michel Claise, spécialisé dans la criminalité en col blanc, et à Gérard Rogge, notre journaliste maison en matière judiciaire. Mais d'abord, direction la Sicile avec ce film intitulé Corleone, la guerre des parrains. Il est signé Anne Veron et Gacciarbi. À tout à l'heure. Ore. Palermo ha visto quattro omicidi. On ne comprenait pas ce qui se passait. La police ne comprenait rien, les journalistes non plus. Mais surtout, les familles mafieuses elles-mêmes ne comprenaient rien à ces meurtres. La gente di Michelangelo non ha visto né sentito. Ce n'était pas de l'omerta, c'était de la peur. Les gens ne sortaient pas de chez eux. Dès qu'on voit une voiture suspecte, on sort nos armes, prêts à tirer. À Palerme, c'était la guerre. Beaucoup de têtes tombées, même des boss importants. C'était le signal que les Corléonais étaient arrivés à Palerme. Les Bouzeux étaient arrivés en ville pour prendre le pouvoir. Sicile, terra mafiosa. Au milieu de la Méditerranée, la Sicile est une île plus proche de l'Afrique que de Rome, qui l'a toujours méprisée. C'est ici qu'est née il y a près de deux siècles Cosa Nostra, la plus légendaire de toutes les mafias. Encastrée, au milieu de massifs rocheux, un trou de 11 000 habitants. Corleone. Le nom de cette petite ville résonne dans le monde entier comme une malédiction, celle de la mafia. Corleone vivait d'une petite activité agricole avec une économie modeste. C'était une ville où la mafia ne tolérait pas qu'on se mette sur son chemin. Elle exerçait des représailles, comment dirais-je, un peu archaïques.
Déjà en 1915, la mafia assassine le maire de la ville. En 1948, elle abat un syndicaliste de la Chambre du Travail. Imaginez que pendant des années, il était même interdit de fêter le carnaval parce que le fait de se déguiser facilitait les règlements de compte. C'est une ville où le sang a beaucoup coulé. Une ville qui a toujours été sous l'emprise de la mafia. Tout le monde la craignait. Tu ne pouvais pas t'y rendre avec une caméra, c'était très fermé. L'omerta était partout. Personne n'osait avouer qu'à Corleone, il y avait la mafia. Corleone a inspiré Coppola pour son film, Le Parrain. Mais la réalité sera bien pire que la fiction. La ville a sorti de ses entrailles les mafieux les plus rustres, les plus cruels, les plus féroces. Rina, contrairement à Provenzano, est un homme très instinctif, qui réagit avec ses tripes. Pour compenser son manque d'intelligence, il joue de sa force, de sa ténacité, de sa méchanceté. Totò Rina n'est pas encore un chef, mais c'est déjà un homme d'honneur très violent et très déterminé. Moi, je tombe amoureux de Totò Rina. C'est un homme qui a un charme exceptionnel. Un homme qui, en apparence, donne l'air d'être l'homme le plus humble qui soit. Mais en fait, c'était sûrement l'homme le plus méchant et le plus cruel sur Terre. Les Corléonais, on les surnomme les bouseux, parce qu'à Corléone, la terre est très argileuse. Alors, ils ont leurs chaussures toujours pleines de boue. Ils ont un complexe depuis des générations par rapport aux palermitains. C'est quasi génétique. Les Corléonais n'ont qu'un rêve, conquérir Palerme. À 60 km au nord de Corleone, Palerme. Capitale de la Sicile, capitale de la mafia. On l'appelle le prince de Villa Grazia, du nom de son quartier, et prince parce qu'il est réputé pour ses relations dans la haute société. Stefano Bontate est un homme très cultivé et qui a de bonnes fréquentations. C'est un mafieux comme on en voit dans certains films. Il est à la fois un gangster violent et un adepte des bonnes manières de la haute société palermitaine. C'est une mafia qui entretient des rapports avec les institutions, avec l'Église catholique,
et avec le monde de la politique. Bontate aimait la belle vie. Je le voyais arriver avec des Maserati, de belles montres, toujours très élégant. Quand j'étais petit, il venait chez mon père. On courait vite au garage pour voir quelle nouvelle voiture il avait. Massimo Ciancimino a été le témoin privilégié de cette alliance entre la mafia et la haute société. Son père, c'est Vito Ciancimino, au centre de la photo. Il est à l'époque le relais politique du parrain, Stefano Bontate. Ciancimino, c'est l'éminence grise, un homme ultra puissant à l'époque à Palerme. Il tire sa puissance de sa proximité avec la mafia. Chez nous, c'est un carrefour où des tas de pouvoirs se croisent. Ça va de la franc-maçonnerie au service secret. Moi, j'ai même vu un ministre de l'Intérieur pleurer parce que mon père l'avait maltraité. Il est allé voir ma mère dans la cuisine et lui a dit « Pourquoi Vito me traite comme ça ?» La mafia palermitaine a une grande habileté diplomatique. Elle est dans l'échange de bons procédés. Le terme approprié, c'est la connivence, ce qui convient à tout le monde. La politique ne peut rien faire sans la mafia, et la mafia a besoin de la politique. Cette alliance entre le politicien corrompu Vito Ciancimino et la mafia va être à l'origine d'un désastre urbain. À la mairie de Palerme, Vito Ciancimino occupe un poste clé. Assesseur aux travaux publics, c'est lui qui délivre les permis de construire. La ville, un joyau architectural, sera défigurée en moins de 20 ans. On appelle ça le sac de Palerme. On est dans la période où il y a un besoin de construire, où la seule industrie qui marche, c'est le bâtiment. Mon père est alors l'homme clé de cette économie en pleine expansion. On disait à l'époque, pas une brique ne bouge en Sicile sans le consentement de Ciancimino. Nous, les mafieux, nous sommes devenus des bâtisseurs. À Palerme, il y a eu une terrible spéculation. Toutes les anciennes villas ont été détruites pour faire place à des bâtiments de 10-15 étages. La mafia construit des centaines de barres d'immeubles, n'importe comment. Certaines n'ont pas l'eau courante, parfois. On oublie même d'installer des toilettes. La mafia monte des sociétés bidons et remporte tous les appels d'offres. C'est un phénomène incroyable. On est face à une administration communale qui, en une seule nuit, délivre plus de 2000 permis à des entreprises totalement inconnues. Certaines ont des dirigeants qui ont dépassé les 80 ans. Ou alors, c'était juste de fausses identités. Palerme change. Elle grandit de manière effroyable. Ciancimino a un slogan. Palerme est belle, rendons-la plus belle encore. Ce slogan m'attriste aujourd'hui. Parce que la ville a été détruite par cette politique de l'immobilier à n'importe quel prix. J'ai vécu dans ce monde, un monde où la mafia ne fait pas ses affaires dans son coin. Autour de la table de mon père, il y a de très gros intérêts qui rassemblent des gens de tous bords. Une table d'où personne n'est exclu. Il y a quand même un exclu. C'est le bouseux de Corleone, Totò Riina. Dans les salons palermitains, tout le monde le déteste. Lorsque Riina vient voir Vito Ciancimino, il le fait patienter des heures et des heures. Alors Riina ne veut plus aller chez lui. Car en plus, Vito Ciancimino prenait ses cadeaux et les jetait. Mon père joue un jeu pour l'énerver, parce qu'il ne veut pas discuter avec Riina. Je le voyais attendre une demi-heure dans le hall. Il était tout nerveux. Il me demandait « Mais il est avec quelqu'un ?» Je lui répondais « Non, non, il mange. »
Puis mon père le recevait en mangeant. Rina devait déplacer les chaises pour lui parler et parfois même débarrasser son plateau. Fin des années 70, la mafia découvre un nouveau filon, l'héroïne. Après avoir défiguré Palerme, elle va empoisonner sa jeunesse. Nous nous sommes enrichis d'abord avec la spéculation immobilière et ensuite avec la drogue. On était devenus si riches qu'on avait l'habitude de dire qu'avec tout notre argent, on pouvait toucher le ciel avec le doigt. À Palerme, la mafia raffine en toute impunité des tonnes de drogue dans ses ateliers clandestins. Elle ne craint pas la justice, les juges sont corrompus, les procès trafiqués. La mafia inonde les États-Unis avec son héroïne. Sous Bontate, la pieuvre sicilienne devient la plus puissante, la plus riche organisation criminelle au monde. Bontate, le chef de la mafia palermitaine, exerce un contrôle total sur le trafic d'héroïne. Notamment grâce à ses appuis aux États-Unis. La Cosa Nostra américaine est composée de mafieux qui ont des liens de parenté avec les mafieux de Palerme. Le marché de l'héroïne va générer beaucoup d'argent, mais faire aussi beaucoup de victimes. Non seulement des jeunes qui se droguent, mais aussi parmi les mafieux entre eux. Ils commencent à se disputer parce que les intérêts en jeu deviennent trop importants. Le jour de son 42e anniversaire, le parrain de Palerme, Stefano Bontate, est mitraillé dans sa voiture. Moins d'un mois plus tard, son bras droit a la moitié du visage arraché par une rafale de Kalachnikov. Une boucherie, c'est du jamais vu. Leur assassinat est vécu comme un événement extraordinaire. La magistrature et les forces de l'ordre sont alarmées, car on comprend qu'il y a quelque chose de réellement extraordinaire qui est en train de se passer. À l'époque, on compare Palerme avec Beyrouth. Tous les jours, il y a des meurtres. Les personnes qui font quelque chose qui ne va pas sont torturées et dissoutes dans l'acide. Ou alors, elles sont attachées pieds et poings liés avec du fil électrique, puis on les enferme encore vivantes dans les coffres de voiture et elles finissent par s'étrangler. Quand on étrangle quelqu'un, on sent le moment où la personne est en train de s'éteindre. Et il y a des symptômes comme le sang qui coule des oreilles. Et quand la personne finit par se pisser dessus, alors tu sais qu'elle est morte. Toto Rina, c'est synonyme de massacre. C'est un boucher. Tu ne peux pas imaginer qu'un tel criminel puisse avoir la moindre once d'humanité. Toto Rina va créer le concept d'attaque transversale. Quand il vise un homme, il s'en prend à tout son entourage.
Ainsi, un parrain de Palerme, Tommaso Buscetta, a perdu son frère, ses deux fils, ses quatre neveux, un gendre, un beau-frère. Au total, 12 membres de sa famille sont abattus par les tueurs de Rina. Nous, on continuait à vivre, malgré ces années affreuses. On continuait à vivre, à aimer, à chercher du réconfort dans la culture, à faire d'autres choses. Mais notre âme s'imprégnait de chacun de ces morts. Aujourd'hui, je ne me libère toujours pas de cette affreuse aventure que nous avons vécue. C'était une guerre civile. Cet épisode va rentrer dans l'histoire sous le nom de Matanza, le massacre. Plus de 1000 morts, plus de 1000 disparitions, plus de 1000 blessés, plus de 3000 victimes en 3 ans, et c'est une estimation basse. Jamais l'Europe n'aura connu pareil carnage. Il y a une guerre de gangsters. C'est aussi le moment où la violence mafieuse ne vise pas uniquement ses adversaires au sein de la mafia, mais elle vise aussi les institutions de l'État. C'est un conflit inédit, comme si cet équilibre, qui avait toujours caractérisé la connivence entre l'État et la mafia, avait sauté. Alors qu'avant, ils se tuaient entre eux, clan contre clan, dans ces années, ils ont commencé à tuer des juges, des policiers, des journalistes, tous ceux qui s'opposaient à leur pouvoir. Ils étaient assoiffés par le pouvoir. Toto Rina, le Corleone, qui a éliminé tous ses adversaires, devient officiellement le parrain des parrains. Il prend la tête de la cupola, l'état-major de la mafia. Il va alors gouverner par la terreur. Il n'hésite pas à tuer ses opposants. S'il perçoit même une simple réserve de quelqu'un sur l'intérêt de tuer un tel ou un tel, celui qui manifeste même seulement avec un geste cette réserve est abattu. Rina devient très paranoïaque. Il commence même à tuer les personnes qui lui étaient fidèles. Au palais de justice de Palerme, une poignée d'irréductibles n'a plus peur. Le juge Kenichi va réunir autour de lui des magistrats décidés à lutter contre la mafia. Ils seront 4, tous volontaires. Et parmi eux, ceux qui deviendront les fameux juges Falcone et Borsellino. Il y a aussi Leonardo Guarnotta. Il est l'un des derniers survivants de ce pool anti-mafia. Questa è stata l'idea geniale. L'idée géniale de Rocco Kenichi a été de créer un groupe de magistrats qui s'occupent tous des mêmes enquêtes pour mieux partager les informations entre eux. Si crea una sinergia
Pour la première fois, se crée une synergie entre magistrats siciliens qui, après des décennies de négation de l'existence de la mafia, se mettent ensemble et disent « La mafia, ce n'est pas vrai qu'elle n'existe pas, elle existe. » Il n'est écrit nulle part qu'il faille vivre avec la mafia. Et surtout, les magistrats disent enfin « Nous devons poursuivre la mafia devant les tribunaux. » À 10 000 km de la Sicile, au Brésil, l'histoire va basculer. Le parrain palermitain Buscetta, celui dont 12 membres de la famille ont été tués par les Corléonais, est arrêté. Tommaso Buscetta était un mafieux d'une intelligence extraordinaire. Il était un mafieux à part. Parce que, bien qu'il n'ait jamais exercé de grosses responsabilités dans la hiérarchie de la mafia, il était considéré comme un conseiller important. Tous les chefs de la mafia consultaient Tommaso Buscetta. Extradé vers l'Italie, Tommaso Buscetta est interrogé par un des juges du pôle anti-mafia, Giovanni Falcone. À sa grande surprise, le parrain va répondre à ses questions. Pour la première fois, un mafieux brise l'omerta, la loi du silence. La mafia n'avait jamais imaginé qu'un de ses membres puisse collaborer avec la justice parce que le principe de base de l'organisation, c'est l'omerta. Je ne vois pas, je n'entends pas et je ne parle pas. La collaboration d'un homme du calibre de Buscetta a été un choc au sein de Cosa Nostra. Briser l'omerta, il ne s'y attendait pas du tout. Et nous non plus d'ailleurs. Le vrai moteur de sa collaboration, c'est la vengeance. Il veut se venger de ceux qui ont tué toute sa famille. Mais il a aussi le sentiment que cette mafia-là ne ressemble plus du tout à cette mafia mythologique, si l'on peut dire, dont il a été un des représentants. Les révélations de Buscetta vont déclencher un séisme. Il livre le mode d'emploi de la mafia au juge Falcone. Il est le premier à confirmer que la mafia existe et qu'elle porte même un nom, Cosa Nostra, notre chose, et que ses membres se désignent entre eux comme des hommes d'honneur. Buscetta nous explique qu'il existe un État illégal dans l'État légal. Il en a les mêmes caractéristiques. Il a son peuple et ses règles, qui sont bien sûr des règles beaucoup plus violentes que celles de l'État de droit. Comme un État, la mafia a un gouvernement, un conseil des ministres en quelque sorte, qui décide de la stratégie à suivre pour se débarrasser de ses ennemis. Nous comprenons alors que le phénomène mafieux est beaucoup plus important que ce que l'on imaginait. En septembre 1984, le jour de la San Michele, on a émis les premiers mandats d'arrêt, les fameux mandats Buscetta, à l'encontre de 340 personnes. Colossale operazione antimafia di polizia, carabinieri e guardia di finanza che ha portato in carcere mafiosi della vecchia guardia e nuove leve, ma anche diversi insospettabili. Tra gli arrestati ci sono medici, avvocati, proprietari di ristorante e gioiellieri. La folie sanguinaire de Totorina a provoqué la trahison de Buscetta. Ces révélations déclenchent de gigantesques enquêtes et aboutissent au premier vrai procès contre la mafia. Il se tiendra dans un bâtiment spécialement construit pour l'occasion, le bunker. En seulement 3 mois, ils construisent le bunker, chose qui est de l'ordre de la science-fiction pour nous. 3 mois. C'est la preuve que si l'État veut quelque chose, il peut le faire. Je me souviens que l'ambiance autour du bunker, la sécurité qui l'entourait, te faisait comprendre que tu étais le témoin d'un événement historique.
C'est le procès du siècle. L'armée est déployée autour du bunker. L'État redoute une attaque des hommes de Totorina. Pourtant, malgré ce déploiement de force, personne ne croit que la justice osera condamner sérieusement des mafieux. Au départ, on voit ça comme une bulle de savon. On savait que dans tous les cas, les procès finissaient par des acquittements. Personne n'y croyait. Aucun juge ne voulait prendre cette patate chaude dans les mains. Imaginez, tous les juges qui travaillaient à la cour d'assises de Palerme et aucun ne veut présider le procès. Ils sont allés chercher un président d'une chambre civile, un certain Alfonso Giordano. Et là, nous les mafieux, nous avons éclaté de rire. On se disait, que veux-tu que fasse ce type? Il n'a toujours traité que des affaires de faillite et maintenant, il veut s'attaquer à la mafia. C'était pour nous la preuve qu'ils avaient encore peur de nous. Les médias du monde entier accourent pour l'ouverture du maxi-procès. 475 mafieux sont enfermés dans des cages. Parmi eux, Gaspare Mutolo, à droite à l'image en costume cravate marron. Seul absent, Totorina. En cavale, il est introuvable. Tu pouvais lire la stupeur sur le visage de ces mafieux. C'était impensable pour eux que quelqu'un les mette derrière les barreaux avec l'intention de les juger. Ils voulaient des explications. Ils interpellaient leurs avocats. Monsieur l'avocat, pourquoi on est là? Que nous veut ce collaborateur de justice, ce Buscetta? Ils refusaient d'admettre que les collaborateurs de justice disaient la vérité. Pour le repenti Buscetta, c'est l'heure de la vengeance. Il exécute froidement ses anciens complices de la mafia. Pippo Calo, par exemple, c'était son meilleur ami. Il l'a trahi pour rejoindre le clan des Corleone et participer au massacre de la famille de Buscetta. Sono arrabbiato con costui. Ma arrabbiato, lascia stare, non costui? Ti arrabbiare perché si arrabbia dei cani. L'unica verità che lui dice in questa aula è che mio fratello aveva un'amicizia molto cara con lui. Però lui sta dimenticando in questo momento di essersi seduto insieme a tutta la commissione per decidere la fine di mio fratello. Durante lo svolgimento del processo, pendant le procès, cioè del il n'y a plus de meurtre. La violence s'arrête. C'est comme si venissero sospese le calme règne di violenza, no? Parce que tout le monde est en train de suivre le procès. Area rarefatta perché tutti stanno a guardare. Mais dans les coulisses, Cosa Nostra essaie d'influencer son déroulement, comme elle a toujours fait. Come ha sempre fatto. A un certo punto, diciamo, nous, on reçoit l'information que tout finirait bien pour nous. Que Falcon serait muté en tant qu'ambassadeur en Amérique du Sud. Et que s'il devait y avoir quand même quelques condamnations, on ne devait pas s'inquiéter, car entre l'appel et la cassation, on s'en sortirait tous avec un acquittement. Verdict, 2650 ans de peine de prison. Un total cumulé de 26 siècles d'enfermement, les mafieux sont assommés. Gaspare Mutolo s'en sortira avec 19 ans de prison. 6 ans plus tard, la Cour de cassation confirmera ces peines historiques. Le 30 janvier 1992, la Cour de cassation a mis le mot fin au maxi-procès, confirmant ainsi définitivement l'existence de Cosa Nostra. L'esistenza di Cosa Nostra. Questo, sommato all'esito del maxi-processo, le maxi-procès
a porté un coup à Riina, qui a perdu une certaine crédibilité au sein de la mafia. On l'accuse de s'être trompé de stratégie. Riina Riina comprend alors que les hommes politiques qui sont à sa solde ne se sont pas suffisamment battus pour la libération des mafieux. Lunedì a Palermo si apre il dibattimento per l'omicidio dell'eurodeputato Salvo Lima. En représailles au maxi-procès, en guise d'avertissement au monde politique, Totò Riina, le boucher de Corleone, fait assassiner en pleine rue l'ancien président de la région sicilienne, l'eurodéputé Salvo Lima. Pourtant fidèle allié de la mafia. L'assassinat de Salvo Lima est perçu comme la menace de tuer d'autres politiciens encore plus importants. La capacité d'intimidation de la mafia est alors énorme. Ça ressemblait à un champ de bataille, comme s'il y avait eu une attaque aérienne, des bombes, toute l'autoroute avait sauté, il y avait des morts partout, c'était le chaos. Une tonne d'explosifs pulvérise le convoi du juge Falcone, qui le conduit de l'aéroport à Palerme. Sa femme et ses cinq hommes d'escorte meurent avec lui. Je me suis dit que la seule manière possible qu'ils avaient de le tuer, c'était de le faire comme ils l'ont fait. Il n'y avait aucune autre façon d'empêcher Falcone de continuer à être Giovanni Falcone. L'Italie est sous le choc. Au funérailles, la veuve de l'un des hommes d'escorte s'adresse à la mafia. Elle va bouleverser le pays. Anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio. Però. Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano. Vi chiediamo per la città di Palermo, signori, che avete reso città di sangue, troppo sangue, di operare anche voi per la pace, la giustizia, la speranza e l'amore per tutti. Non c'è amore, non ce n'è amore. Falcone éliminé, le juge Borsellino prend la relève. Mais rien n'arrête Totò Riina. Lascia immaginare. Je vous laisse imaginer dans quel état j'étais quand j'ai entendu la nouvelle. J'avais déjà vu Falcone mort. J'avais l'impression qu'il dormait. Il n'avait qu'une petite égratignure sur le front. Borsellino, je n'ai pas voulu voir. Ou plutôt, je n'ai pas voulu voir ce qui restait de lui. J'ai préféré me souvenir de lui vivant. L'attentat dévastateur contre Borsellino, seulement 58 jours après celui commis contre Falcone, visait à déstabiliser les institutions. C'était une attaque comme on n'en avait jamais vu dans le monde occidental. Borsellino. C'est l'assassinat du trou. La Sicile descend dans la rue. Les politiciens se font huer.
Pour la première fois, on assiste à une vraie révolte de la population à Palerme. Et elle va s'étendre au reste de l'Italie. Nous, les citoyens, avons compris que la mafia n'hésitait plus à tuer n'importe qui. D'ailleurs, il paraît que dans une réunion où Rina planifie un meurtre, des mafieux l'ont mis en garde. Et gli dit, à l'endroit et gli où Rina voulait frapper, il y avait aussi beaucoup d'enfants. C'est toute la bambini attorno. Cioè, visto il aurait répondu, mais à la guerre, lui dit, il y a plein d'enfants qui meurent aussi. Ça ne lui posait aucun problème. Tous les citoyens italiens se rendent compte que la mafia n'est pas un problème local, qui ne regarde que la Sicile et les Siciliens. Bien au contraire. C'était devenu une urgence nationale. Sous la pression populaire, Rome déploie l'armée aux quatre coins de la Sicile. Totò Riina, terroriste mafieux, est l'ennemi public numéro un. On a l'impression que l'État, pour la première fois, a réellement la volonté de combattre définitivement la mafia. Tout le monde savait qu'il circulait dans Rome. Les palermitains savaient où était le chef de la mafia. Ce sont les représentants des institutions qui ne le voyaient pas. Et après la mobilisation générale, comme par hasard, comme ça, d'un seul coup, l'État a découvert où il se cachait. Exhibé à la presse dans une cage, il clame son innocence et parle de lui à la troisième personne. Perché non scrivete che sabato sera non è né mosso né bambini, ah, i bambini, dai i figli. E la moglie. E uno che ha moglie e figlie. Non può fare, non può commettere quello che dicono queste signore pentite. La cattura di Riina è stato certamente. L'arrestation de Riina a été vécue à Corleone comme une libération. Comment les habitants de cette ville pouvaient-ils avoir confiance dans les institutions quand Riina était en cavale depuis 25 ans sans que les forces de l'ordre ne parviennent à le capturer? Sa cavale était un défi permanent à l'État. Totò Riina sera jugé dans plusieurs procès. À chacune de ses apparitions, un dispositif militaire est déployé autour de chaque tribunal. Les quartiers sont bouclés. On ordonne aux curieux de fermer les fenêtres et de rester cloîtrés. C'est dans un silence de plomb que la bête, Totò Riina, est extrait du fourgon pénitentiaire. Dans ses procès, sa femme et sa fille sont aux premières loges. Non ha mai sentito parlare di Cosa Nostra, non conosce questa organizzazione. No. Non sa nulla di questo.
No, avvocato. Quindi l'ha letta soltanto sui giornali. Ma sentite la televisione, i giornali. Non parla. Il parla pas. Non parla. Il parla pas. Il ne cherche même pas d'interlocuteur. Il n'en a pas besoin. Il est très orgueilleux. En prison, on l'avait placé sous écoute téléphonique. Il se définissait alors comme le seul mafieux à plein temps. Les autres étaient souvent distraits, disait-il. Moi, j'étais le seul à être mafieux 24 heures sur 24. Je suis le seul qui se soit occupé de Cosa Nostra et de son bien. Quand j'ai vu Rina au procès pour la première fois, j'ai été surpris par la normalité de cet homme. Tu avais du mal à percevoir la cruauté dans ses yeux. Il répondait avec la plus grande innocence aux questions des juges. Il n'arrêtait pas de dire « Moi, je ne suis qu'un pauvre agriculteur. Je travaille dans les champs. Je ne suis qu'un paysan. » Totò Riina sera condamné à la prison à vie sous le régime pénitentiaire de l'article 41 bis. Isolement total, vidéosurveillance 24 heures sur 24. Dès qu'il comparaît à un procès, il s'empresse de dénoncer ses conditions de détention. Io sto isolato da tutti. A me mi fanno fare una vita da cane, ma anche i cani sono trattati come sono trattato io in carcere. Provenzano, malgré le fait qu'il soit corléonais, ne gouvernera pas comme corléonais. Il va revenir à une stratégie de compromis selon laquelle la mafia doit être invisible, c'est-à-dire qu'elle n'assassine plus de personnalités publiques et va commettre moins de meurtres au sein même de la mafia. La mafia a retrouvé sa place dans un équilibre avec les institutions. Provenzano va imposer la Pax Mafiosa, la paix mafieuse. Provenzano va régner 13 ans sans être inquiété. Retour à Corleone. Dans cette ferme, de la périphérie de la ville, des unités d'élite viennent de donner l'assaut. À l'intérieur, Bernardo Provenzano est enfin arrêté après 43 ans de cavale. Traqué en théorie par toutes les polices d'Italie, il se cachait simplement dans sa petite ville de Corleone. L'arrestation de Provenzano marque le crépuscule des parrains corléonais. Les gens hurlaient, dansaient pour l'arrestation de Provenzano. Il y avait plein de jeunes qui dansaient devant le commissariat. Auparavant, ça aurait été impensable une chose pareille. Sept ans plus tard, le dernier acte de la saga des Corléonais se joue dans le légendaire bunker de Palerme.
depuis 2013, se tient un nouveau procès historique, le procès dit de la négociation. Dans cette salle, nous avons parcouru un long chemin. Avec le maxi-procès, nous avons démontré que Cosa Nostra existait, que c'était une organisation structurée et qu'elle était composée d'hommes d'honneur et qui ont été condamnés. Aujourd'hui, nous sommes passés à un autre niveau. On veut s'attaquer à cette zone grise, les rapports entre mafia et politique. Le témoin principal du procès, c'est lui, Massimo Ciancimino. Son père, Vito, était le complice politique de la mafia à Palerme. En 1993, Vito aurait demandé à son fils de servir d'intermédiaire entre Bernardo Provenzano et des carabiniers pour livrer la cache de Totorina. Ce que je dis et que j'ai toujours dit, et j'en assume la responsabilité, c'est que je suis allé trouver Provenzano avec une carte de Palerme. Provenzano me l'a rendu. Il avait entouré plusieurs endroits où Rina avait l'habitude d'aller. Cette carte, je l'ai ensuite donnée à mon père, qu'il a lui-même donnée aux carabiniers. Et je suis disposé à être confronté à ces carabiniers. Plus clair, c'est pas possible. Provenzano aurait ainsi trahi son chef, son ami, son plus fidèle allié, Totorina. L'hypothèse que Rina ait été dénoncée par Provenzano en 1993 semble être une hypothèse tout à fait réaliste. Un des éléments qui rend cette thèse crédible, c'est qu'il faudra attendre encore 13 ans avant que Provenzano ne soit arrêté. Prima che si arrivi all'arresto di Provenzano. Provenzano, secondo molti collaboratori di giustizia, selon beaucoup de collaborateurs de justice, Provenzano est celui qui donne Rina à la police, Totorina. Garantendo una gestione degli affari. Et en échange de cela, il garantit en plus un retour au calme. Perché non si doveva muovere più foglia. Difatti, dopo l'arresto di Rina, après l'arrestation de Totorina, il n'y a plus de meurtre. Non ci sono, scusami, les più, représentants de l'État ne sont plus tués. Non vengono più uccisi i rappresentanti dello Stato. Quindi la mafia. La mafia demande en contrepartie de pouvoir continuer à faire ses affaires tranquillement. Au cours du procès, le procureur Di Matteo a convoqué le banc et l'arrière-banc des politiciens de l'époque. Ce jour-là, c'est un ancien ministre de l'Intérieur. Il a aussi entendu l'ancien président de la République. Borsellino disait, lorsque deux forces se trouvent sur le même territoire, soit elles trouvent un accord, soit elles se font la guerre. L'État et la mafia se sont trouvés sur le même territoire. Il y a eu des moments où ils se sont fait la guerre, mais aussi des périodes plus longues où ils se sont mis d'accord. En 1993, ils se sont mis à nouveau d'accord. Du fond de sa cellule, Totorina a lancé une condamnation à mort contre le magistrat Di Matteo. Il est aujourd'hui l'homme le plus protégé d'Italie. Il mène ce qu'on appelle la vie blindée. Une dizaine de gardes du corps veillent sur lui 24 heures sur 24. Le prix à payer pour percer les mystères de Corleone.
voler dire la mafia è Corleone e la mafia, la mafia è Corleone e Arina, che hanno fatto c'est trop réducteur. Cioè è un voler ridurre c'est une vision e trop semplificare. Cioè, è la cosa più semplice da fare perché è la più eclatante, parce que c'était la mafia, la più voyante, facile, la più violenta, la più violente, la più fastidiosa, la plus horrible. Però, probabilmente non mais è la ce più n'était pericolosa. Peut-être pas la pire. Perché almeno quella è visibile. Parce que la mafia devient réellement dangereuse quand elle se fond dans la société. Illégalité diffuse, quand elle devient invisible, quand la corruption devient endémique. Di corruzione endemica. E tout ça molto est plus difficile à combattre. Et c'est ça le vrai visage de la mafia. È questa la vera faccia della mafia. Non è quella dei corleonesi. Perché sei ancora a Palermo? Si à Palerme, encore 80% des commerçants et des entrepreneurs continuent de payer leurs raquettes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La guerre est encore loin d'être terminée. Bonsoir, vous êtes toujours dans Retour aux sources. La guerre des parrains s'est-elle déroulée aussi en Belgique et se joue-t-elle encore aujourd'hui? Pour répondre à ces questions, deux invités que vous connaissez très certainement. Bonsoir Gérard Rogge. Bonsoir. Vous avez été longtemps notre monsieur judiciaire de la RTB. Vous avez travaillé sur des grands magazines d'investigation, d'enquête tels le mythique Au nom de la loi et puis Devoir d'enquête. À vos côtés, le juge Michel Clay, spécialisé en criminalité financière. Vous avez travaillé sur de nombreux dossiers mafieux. Vous êtes allé plusieurs fois à Corleone. Alors on va démarrer sur les premières images de ce film, en fait, qui sont des images très sanglantes pour rappeler finalement ce qu'est la mafia. Parce que malgré tout, on en garde, et surtout de la mafia sicilienne, une image assez romanesque qui est due à quoi, en fait? C'est ma première question. Cette fascination, est-ce que c'est le secret? Est-ce que c'est le film de Coppola? Est-ce que ce sont les beaux costumes, l'élégance italienne? À quoi est due cette fascination? Moi, je pense que la fascination vient aussi du secret. Les mafias... les familles ont une espèce de mystère qui entoure leur recrutement et leur existence. Et donc, le secret attire toujours. Le mystère fascine. Pas mal rendu dans le parrain, bien sûr, de Godfather, c'était extraordinaire, mais ce n'était pas tout à fait complet et on pressentait que des choses étaient encore cachées par le scénariste Puzio, dans la mesure où, notamment, ce qu'il y a de fascinant dans les mafias, ce sont les rituels d'introduction, et l'attachement que les soldati, donc les plus petits, les capos, les moyens, les consiglieri, jusqu'au capo dei capiti, donc les tout grands, exercent à l'égard du public, on se dit, bon sang, ça existe. Quelle solidarité! Ah, c'est incroyable. Et on occulte complètement la terrible violence qui a existé, bien sûr, et qui existe encore aujourd'hui, mais qui est réorganisée dans le sens de l'économie. Et la deuxième fascination de la mafia aujourd'hui, c'est qu'elle devient un soutien de l'économie, notamment en Italie. Sans la mafia, l'économie italienne se trouverait dans une situation dramatique. Alors on part du principe qu'on sait ce que c'est finalement la mafia, mais ce n'est pas réexpliqué dans ce film. À partir de quand une organisation secrète, une organisation criminelle devient-elle une mafia ? Je crois qu'il faut distinguer l'organisation criminelle au sens purement code pénal, et ce sont des gens qui se mettent ensemble pour commettre des activités illicites.
coup classique, le trafic de stupéfiants, une petite bande, on va chercher le cannabis dans le Rif au Maroc et on l'importe en Europe. La mafia, c'est autre chose. La mafia, c'est, comme je disais, véritablement une famille avec toute une série de rites. Alors, la première fois que c'est apparu, c'était un procureur de Trapani qui avait dénoncé ça en 1834 à son procureur général et au ministre de la Justice italien en disant « il se passe quelque chose ». Alors, le mot « mafia », en réalité, n'est pas utilisé par la mafia. C'est en réalité la désignation qu'on en fait à l'extérieur. On va la retrouver dans une comédie dans les 1860, je pense, la mafia del Vicaria. Vicaria, c'est la prison locale. Mais il y a plusieurs sources. Mafiosu, ça veut dire vantard. Mafia, c'est aussi l'anagramme de la lutte contre les Français. Enfin, toujours est-il qu'à un certain moment, on va connaître les dessous de la mafia par les repentis. Et les repentis vont expliquer comment est-ce qu'on rentre dans la mafia. Ce recrutement se fait dans différentes familles qui se répartissent les territoires, et quand ils ne sont pas d'accord, c'est ce que nous avons vu. Donc, c'est-à-dire, c'est la guerre. Mais après, c'est la paix, ils vont négocier, parce que pour le commerce, c'est très mauvais de s'entretuer. Mais comment font-ils? Eh bien, vous avez donc toute une série d'accueils dans lesquels ils sont recrutés, et à un certain moment, on les reçoit pendant une soirée, tout le monde est à table. Alors, il y a des objets qui sont des objets qui ont une nature symbolique, ce sont des armes. Et puis, à un certain moment, et c'est un point commun aux mafias siciliennes et à la Cosa Nostra, qui est la mafia sicilienne. Non, toutes les mafias utilisent quasiment les mêmes rituels initiatiques. Vous avez la goutte de sang qui est prélevée sur l'index. Pourquoi l'index? Parce que c'est celui qui sert à presser la gâchette. La goutte de sang sur une image sainte qui est brûlée. Et donc l'engagement en disant, tu rentres ici sur tes deux jambes, mais tu ne sortiras de la famille que dans un cercueil. Ça, c'est tout de même quelque chose d'exceptionnel. C'est ce qui distingue la mafia de l'organisation criminelle. C'est le code? C'est le code. Le code d'honneur et le code d'engagement. Et le clan familial. Alors on le voit, les années 80 sont les années les plus sanglantes de la Cosa Nostra, de la mafia sicilienne. Est-ce que cette mafia-là essaime en Belgique, Gérard Roy? Oui. D'abord, je voudrais dire qu'à l'époque, dans les années 80, au début des années 80, j'étais en Sicile. Et là, on voit comment la mafia peut s'inscrire dans le paysage. Dès mon arrivée, il y avait déjà un procureur qui venait d'être assassiné. Les carabiniers étaient partout, hein, c'était la menace niveau 5 ou 10, hein, il y avait des hommes en armes partout, les palais de justice étaient devenus des châteaux forts, on voyait aussi l'imprégnation de la mafia en Sicile. On voyait cette ville de Palerme avec ses tours, cette forêt de HLM qui avait été construite par la mafia. Vous avez pu vivre ça de l'intérieur. Oui, lorsque l'on allait à l'intérieur de Palerme, au centre, on trouvait des boutiques extraordinaires de luxe, où il n'y avait d'ailleurs personne. Là, c'était le blanchiment de l'argent de la mafia. On trouvait des palais magnifiques construits au 19e ou 18e et même avant, qui allaient à Volo. C'était une ville, mais complètement cul par-dessus tête. Et c'était le résultat de la mafia. Lorsqu'on prenait une autoroute, il y avait des magnifiques autoroutes qui venaient d'être construites en Sicile pour essayer de tirer la Sicile de la pauvreté, pour amener les touristes, etc. Eh bien, il y avait des tronçons entiers qui venaient d'être mis en service et qui étaient impraticables à cause de la mafia. Soit on avait fait sauter une partie du tronçon, soit on avait mégoté sur le béton et après quelques passages de camions, c'était terminé. Donc, la mafia, c'est aussi quelque chose qui s'inscrit... Elle était palpable, omniprésente. C'est palpable. Alors, y a-t-il des symptômes chez nous, en Belgique? Oui, certainement, certainement. À cette époque-là, on reste déjà, pour le moment, on reste à cette époque-là. Dans les années 80, oui, bien sûr, il y a eu un... c'était dans les années 70-80, on avait détecté notamment la volonté d'un membre d'une famille de reprendre un casino en Belgique. C'était extrêmement célèbre. Faut quand même... Nous ne vivons pas à Disneyland, hein, donc il faut bien vous dire que tout ce qui est trafic de drogue, qui est une des grandes activités illicites de la mafia, bien entendu, c'est poursuivi sur notre territoire, on le sait. Mais il est apparu également, il n'y a pas que la Cosa Nostra, donc l'autre chose qui est la mafia sicilienne. Vous avez la Camorra, vous avez la mafia des Pouilles, mais vous avez aussi la Calabrese, la Drangheta, qui, elle, s'est spécialisée aussi dans quelque chose d'un petit peu particulier, qui est le détournement des fonds européens. Et donc, vous avez
une volonté de redresser l'Italie du Sud, bien sûr. Vous avez donc l'Union européenne qui va faire des investissements dans des entreprises, mais ces investissements sont purement et simplement détournés. Donc au départ de l'Union européenne, vous avez le point de départ du blanchiment d'argent de la 'Ndrangheta, c'est extrêmement connu. Alors comment réagit-on en Belgique? On voit en Sicile comment il a été difficile de reconnaître l'existence de la mafia. Est-ce que les pouvoirs publics belges reconnaissent la présence sur leur sol de clans mafieux? Et à partir de quand? Ouf. Mais vous savez, c'est une sur le plan strictement juridique, c'est une organisation criminelle au sens de l'article 324 bis du code pénal. Bon, alors, reconnaître la mafia, oui, mais nous reconnaissons tout simplement, sur le plan justice comme sur le plan policier, qu'il existe des organisations criminelles qui sont en mouvement. Il n'y a pas que celle-là. Il y a d'autres mafias. C'est d'ailleurs le même système des familles. Prenez la mafia chinoise, les triades chinoises. Ils fonctionnent de la même manière. Vous avez un rituel initiatique également d'introduction, très présent en Belgique sur le plan de la contrefaçon. La mafia balkanique, idem, le code d'honneur, quasiment des rituels d'introduction tout à fait identiques, qui eux fonctionnent sur les codes d'honneur de la vengeance. Là, c'est l'héroïne qui provient d'Afghanistan et qui passe par les Balkans. Sans compter, bien entendu, la traite des êtres humains, c'est-à-dire bon, tout ce qui est prostitution et travail en noir. Bien. Donc, oui, bien sûr, nous le savons, parce qu'on lutte contre la mafia à proprement parler, d'une manière générale, cela s'inscrit dans un combat contre la délinquance financière, parce que le but de la mafia, des mafias, des organisations criminelles, c'est gagner de l'argent. C'est gagner de l'argent, bien sûr, et avoir le pouvoir pour en gagner plus. Mais notre situation en Belgique n'est quand même loin d'être celle qu'on connaît en Italie pour l'instant. Après la crise économique de 2008, la preuve que le monde financier a pris possession sur le plan géopolitique du pouvoir mondial, les banques ont fermé leurs portes aux investisseurs parce qu'ils ont peur. C'est la mafia qui va reprendre cela. Et donc la mafia va organiser, d'après l'OCDE, un marché de prêts qui peut s'étendre jusqu'à 35% des prêts consentis en Italie. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que sans la mafia, peut-être l'économie italienne se porterait mal, mais c'est une réalité. Il y a une évolution au sein des mafias actuellement. Depuis les assassinats des juges Falcone et Borsellino, l'assassinat de M. Lima, qui était l'homme politique qui luttait également contre elle, il y a une volonté en réalité de devenir véritablement plus col blanc. Donc on a des avocats, des conseillers, ils vont pénétrer les entreprises et ils vont pratiquer le blanchiment d'argent. Il y a toujours, bien entendu, au départ, les activités illicites qui permettent à leur économie pirate de fonctionner, mais maintenant, ceux-ci rentrent en contact et négocient, notamment avec les pouvoirs politiques. Dans les années 70... C'est cette fameuse zone grise. La zone grise. Berlusconi a traité directement avec la mafia. On le sait maintenant. Et en Belgique, quelle est la pénétration de la mafia dans des métiers couverture, des métiers justement en col blanc, comme vous dites? Si vous saviez, comme on aimerait bien le savoir. Si vous le saviez, nous connaissons l'existence du phénomène, mais vous savez, comme dans toute criminalité, en général les criminalités financières, c'est la discrétion et la clandestinité. Donc, de temps en temps, nous avons la preuve qu'il y a la présence de ces mafias dans son fonctionnement. Pas assez. Nous avons eu aussi des ersatz de mafias. Je pense, par exemple, à l'affaire Bongiorno, l'affaire des négriers de la construction. Mmh. Nous avons là un personnage, Carmelo Bongiorno, qu'on ne peut pas dire qu'il fait partie de la grande mafia, de la 'Ndrangheta ou autre, mais il est d'origine sicilienne et c'est un homme qui travaille dans la construction. Et il va monter une affaire extraordinaire, une arnaque géniale, en donnant à des entrepreneurs toute la main-d'œuvre qu'ils veulent à un prix véritablement dérisoire. Et évidemment, hein, c'est l'État qui sera finalement floué dans l'histoire, puisqu'on ne paye pas l'ONSS, etc. Il va créer comme ça toute une série de sociétés bidons, avec des poulets à la tête, on les appelait les poulets. Donc entreprise qui engage, qui embauche du personnel et puis qui disparaissent lorsque vient le moment de payer l'ONSS et autres lois sociales. Et donc cet argent est rentré mais véritablement d'une manière incroyable dans les poches de ce Carmelo Bongiorno, et avec, disons parfois, la complicité
de certaines institutions qui, bon, bah, si on doit construire un palais de justice, bah, finalement, bah, il vaut mieux hein, payer le moins cher. Et finalement, on ferme les yeux, alors qu'on sait très bien qu'il existe ce genre de magouille. Et puis un jour, l'affaire a pris de l'ampleur. Un journaliste a été assassiné. D'abord, on a cru que Carmelo Bongiorno avait fait assassiner ce journaliste parce qu'il avait découvert des choses sur ses magouilles. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en fait, il s'agissait tout bêtement d'une affaire de vengeance d'un représentant de la BSR, la Brigade Spéciale de Recherche de la Gendarmerie, qui s'était fait prendre sa petite amie par ce journaliste. Et pour se débarrasser du journaliste, il est allé trouver son ami Bongiorno, qu'il renseignait déjà depuis longtemps hein, sur les éventuels problèmes que Bongiorno pouvait avoir avec la justice. Et Bongiorno lui a rendu ce service en faisant assassiner ce jeune journaliste. Et là, on a l'imbrication entre une espèce de mafieux avec les autorités, et en l'occurrence, autorités judiciaires. C'est quelque chose, en fait, qui pénètre tous les milieux. Hein. Pour que ça fonctionne, il faut avoir des contacts aussi avec la justice et aussi avec le politique. Et on a bien vu dans l'affaire Coles, par exemple, où véritablement un ministre était entouré de mafieux, de petits mafieux, et qui ont fait assassiner un ministre d'État parce que ce ministre, André Coles, voulait mettre fin à leur petit trafic. Et là, évidemment, ça pose le problème de la pénétration dans les milieux politiques, et c'est parfois assez effrayant. Parce que d'un côté, on peut se dire que le politique reste un peu muet devant la montée des périls. Et puis dans certains cas, il y a parfois certaines complicités. André Coles a-t-il été victime d'une mafia de ces années-là, d'une époque révolue de la mafia? Est-ce qu'on peut... je vous vois sourire. Non, je ne pense pas. Je pense pas que c'était la grande mafia. Je pense que c'était des ersatz de mafia. Évidemment, quand on voit les noms, on se dit, bah oui, Di Moro, etc. C'est pas parce qu'on a un nom un peu italien que forcément on est... Mais c'est vrai qu'ils étaient tous italiens, mais certains venant de Sicile, certains venant de Calabre, etc. C'est vrai que ce petit groupe, pour trouver des assassins, pour tuer André Coles, se sont adressés notamment à l'Andrangheta, qui avait un point de chute en Allemagne. Ils ont fait un deal, donc il fallait assassiner. On a livré l'argent aux tueurs, et les tueurs ne sont jamais venus. Alors finalement, via des copains, via des cousins, des oncles, etc., on a trouvé finalement des tueurs en Sicile. En Sicile, deux saisonniers tunisiens, et on les a fait venir en Belgique pour tuer André Coles. Mais on ne peut pas dire que les commanditaires de l'assassinat d'André Coles faisaient partie véritablement de la grande mafia. Je pense que à la longue, peut-être, leur but était évidemment, en assassinant André Coles, d'avoir le champ libre avec Alain Van der Bist, qui était sous leur coupe à l'époque, le ministre Alain Van der Bist. Et l'idée, c'était de pouvoir, disons, préparer, augmenter finalement toutes leurs activités criminelles sous la coupole d'un ministre qui aurait été leur protecteur. Là, on tombe dans le comportement mafieux, mais on ne peut pas dire qu'ils étaient reliés directement à une coupole mafieuse à Palerme ou ailleurs. Alors, pour revenir à la situation globale en Belgique, quelles sont les mafias présentes chez nous? Et est-ce qu'on peut parler d'amélioration dans la lutte contre cette criminalité organisée ou pas?
C'est un problème, comme je disais tout à l'heure, c'est un problème tout à fait général de lutte contre la criminalité financière. Vous savez, il n'y a pas de grande criminalité qui ne débouche pas sur le blanchiment d'argent. Quand vous avez fait un trafic de stupéfiants, vous êtes là avec votre mallette, avec l'argent en liquide, il faut bien à un certain moment que cela devienne officiel pour en profiter. Alors, il est évident que les mafias, au sens où nous l'entendons, comme je l'ai dit, elles sont présentes en Belgique parce que, comme tout pays, comme la France, l'Allemagne. Mais tout simplement, nous sommes à la merci actuellement des organisations criminelles. Est-ce qu'on lutte contre elles? Mais on lutte contre elles aussi par la voie traditionnelle. Trafic de stupéfiants, ben, il y a la brigade des stupes, comme on dit. La prostitution, il y a la brigade des mœurs. Non, mais finalement, on ne règle pas le problème dans tout cela, à la source. Mais régler le problème à la source est extrêmement difficile. Dans la mesure, je vous l'ai dit, où tout ça repose aussi sur des règles de confidentialité. Combien de fois on n'arrête pas un petit dealer? On lui dit maintenant, c'est dans la loi. Si tu nous dis qui te fournit, à ce moment-là, il y a des possibilités de passer à travers les poursuites pénales. Mais il ne le dira jamais, parce qu'il aura peine pénétrée dans la prison, qu'on retrouvera son corps sans vie. Ça, c'est aussi des méthodes, comportements mafieux. Mais quant aux mafias, nous savons qu'elles sont là. Et de temps en temps, on les arrête. Alors on parle des mafias. Il y a mafia sicilienne, albanaise, turque. Sicilienne, italienne, hein, donc ça, oui. Vous en avez quatre. Vous avez la mafia turque également. La mafia russe. La mafia russe, là, je dois vous dire que le comportement de la mafia russe n'est pas tant dans l'activité criminelle elle-même sur notre territoire, mais plutôt dans le blanchiment de leur argent. Mais nous avons une bonne législation qui permet quand même de fermer nos frontières. Il n'y a pas de mafia belge? Ce sont toutes des mafias étrangères qui viennent... Il y a des organisations criminelles bien belges, bien sûr, mais pas au sens de cette fratrie existant dans ce qui est balkanique, italien, etc. Est-ce qu'il y a des liens, des collaborations entre ces différentes mafias? Ça devrait exister. En tout cas, il y a très certainement une concurrence, parce que vous imaginez bien que si vous avez les Turcs, la mafia balkanique et italienne qui travaillent sur le même marché de l'importation de la cocaïne, forcément. Alors c'est une concurrence. S'entendent-ils? C'est une bonne question. Alors en tant que journaliste, en tant que juge, quand on traite ce genre de dossier, est-ce qu'on est amené à être menacé soi-même? Personnellement, on se souvient que Françoise-Anne de Mortel avait fait un document qui s'appelait « Belgique à notre égard ». Elle avait reçu des menaces très précises. Mm-hmm. Oui, dans le cas de « Au nom de la loi », je me souviens, lorsque l'émission sur les négriers de la construction est passée, nous avions un témoignage inédit, à visage caché, d'un homme qui avait participé aux magouilles des négriers de la construction. Et cet homme, quelques semaines après l'émission, l'a retrouvé dans sa voiture calcinée, il avait 2 balles dans la tête. Mais je dois dire qu'au niveau des journalistes, il n'y a pas eu d'action directe, de menace directe. Mais il suffisait, en fait, de couper. À partir de là, d'ailleurs, on a eu beaucoup de mal à pénétrer ce milieu des négriers, parce que tout le monde se taisait. C'était la terreur. En fait, il règne par la terreur. Et évidemment, bon, toute cette mythologie autour de la mafia, qui a été aussi créé par des films comme Le Parrain. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais en réalité, on se trouve véritablement devant des criminels endurcis, mm-hmm. qui n'ont absolument aucune foi ni loi. C'est un constat d'impuissance, finalement, de se dire qu'on ne peut pas faire grand-chose en tant que journaliste et en tant que juge. Mais en tant que journaliste, on peut dénoncer. Lorsque nous avons les preuves, nous les sortons. Et je crois que les juges ont beaucoup de mal à faire leur métier, surtout par les temps qui courent. Par les temps qui courent, mais je pense que dans leur grande majorité, c'est eux qui sont les derniers remparts, finalement. Michel Claise, vous aussi, vous avez été victime de menaces à votre encontre? Oui, bien sûr. Mais bon, c'était exceptionnel, entendons-nous bien. Et jamais dans le risque encouru par les magistrats italiens. J'étais en Sicile, mais je peux vous assurer que la protection autour des magistrats italiens est au top niveau, avec des automitrailleuses qui sont devant leur domicile. Ça, nous n'avons évidemment jamais connu. Mais je vous dis, mais je pense vraiment que la mafia, notamment italienne, change de visage. La mafia italienne existe tout autant aux États-Unis. On n'a pas encore évoqué les États-Unis, mais vous savez qu'ils ont tout à fait pénétré le milieu du show business, déjà depuis ô combien d'années, et ils sont extrêmement actifs dans ce milieu. Donc il y a une espèce de dérive actuellement où la violence est mise un peu de côté. On l'utilisera
Mais actuellement, maintenant, on a beaucoup d'argent, on continue à en avoir, toujours par le fonctionnement des trafics habituels, mais là, on commence à développer la corruption et le blanchiment d'argent, ils l'ont compris. Et c'est là que notre société est fragilisée. Et j'aime bien le rappeler de manière tout à fait constante, vous savez que par an, 6 à 7% du PIB brut mondial, c'est l'argent sale. Et vous imaginez que cet argent continue à tourner d'année en année. C'est aussi l'argent des mafias. Et c'est cette espèce d'incroyable non-reconnaissance par les gouvernements du monde de l'importance du phénomène et de l'importance de tous les moyens qu'il faut mettre pour le combattre qui, en ce qui me concerne, me laisse toujours pantois. Parce qu'on le voit, il y a des mafias qui ont pignon sur rue. On connaît tous un bar où on sait, ou un restaurant. Il y a une recherche. Il y a des rumeurs aussi, mais que fait-on ? Il y a une recherche de la respectabilité. Mmh. Et en fait, dans le film Le Parrain, d'ailleurs, on le voit, après le deuxième ou le troisième épisode, on ne fait plus le coup de feu dans la rue, on essaye d'infiltrer véritablement tout le tissu économique par le blanchiment. On prend des parts dans des sociétés qui ont pignon sur rue. On parlait de la mafia russe tout à l'heure, les grands mafieux russes, les grands oligarques, etc., essayaient d'avoir des passeports belges, d'ailleurs ils ont bien réussi. Donc il y a vraiment une pénétration de notre tissu économique et aussi politique, bien entendu. Et cette fameuse zone grise en Belgique, elle est équivalente à d'autres pays ou plus mince, mais peut-être ce serait se voiler la face ou... D'après les statistiques, et c'est toujours le problème, donc on part d'analyse de ce qui était détecté, on fait des proportionnalités, mais non, la Belgique s'aligne tout simplement par rapport aux autres pays, et comme les autres pays, par exemple, puisque une des armes de la mafia, c'est la corruption, comme par rapport à la France, etc., nous sommes montrés du doigt comme étant quand même fort laxistes. Alors parmi les spécialités mafieuses, il y a le trafic d'armes, le trafic de migrants. Ça résonne de façon très actuelle. Mmh. Est-ce qu'on peut imaginer des liens entre les djihadistes ou djihadistes en projet et certaines mafias? Je me demande s'il n'y a pas une incompatibilité. Je pense que les mafias ne peuvent pas trop s'approcher des cellules terroristes pour une bonne et simple raison. C'est qu'actuellement, toutes les forces du monde sont dirigées pour l'anéantissement des cellules terroristes. Et donc être trop proche d'elle, c'est se mettre à découvert. Et donc ça, je n'en sais rien, mais je ne le pense pas. Ce serait en tout cas une mauvaise tactique. Mais de là peut-être à dire que, vous savez, en 2004, les attentats de Madrid, donc ils ont utilisé du Semtex. Vous savez comment ils l'ont acheté ? Avec de la résine de cannabis. Donc on peut se poser des questions quand même. Ce serait quoi finalement la solution pour éradiquer toutes ces mafias, faut-il les éradiquer ? Reconnaître leur existence dans un premier temps. Reconnaître l'importance de l'impact, de l'immensité d'abord du chiffre sale, de l'argent sale, de l'impact sur la démocratie. Une fois qu'on a fait cela, il faut sensibiliser, et ça c'est à la presse de le faire, le citoyen, pour qu'à un certain moment, ceux-ci demandent des comptes au monde politique. Merci Michel Claise et Gérard Roch d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre retour aux sources. Et d'ici là, n'oubliez pas votre rendez-vous de l'histoire en radio tous les jours sur la première dans l'émission de Laurent Dehaussée, Un jour dans l'histoire. Excellente fin de soirée.